commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte est privée de son dieu protecteur. Désormais, Seth peut lancer toutes ses forces contre l'Égypte. Happy, dieu du Nil, tu es de moins en moins généreux. Allez, va, petit poisson, j'ai l'estomac trop grand pour toi. Je crains la colère des dieux contre notre acte sacrilège. Sois tranquille, Semkat. Les forces du maître Dombos sont avec nous. Et n'oublie pas, toi seul dois revenir de ce voyage. Dieu d'Égypte, vous m'avez pris ma fille bien-aimée. Et maintenant, pourquoi cette colère? Pardonne cette intrusion. Ô pharaon, il est arrivé un grand malheur. Eh bien, grand vizir Nézimontou, parle sans détour. Le sarcophage et le corps de la princesse Téti ont disparu. Quoi? Mais c'est impossible! Je me suis assoupi. Quel drôle de rêve. Le ventre vide, sans doute. Et toujours rien au bout de mes lignes. Eh bien, demain sera un autre jour, si les dieux le veulent. Tu ne crois pas si bien dire, enfant. C'est incroyable. À l'instant, tu étais dans mon rêve. Qui es-tu? Peu importe qui je suis, ce qui importe, c'est qui tu es, toi. Oh, moi? Un pauvre pêcheur. Un simple sujet de pharaon. Ne t'appelle-t-on pas Papyrus? C'est vrai. Dans mon village, on dit que je suis né dans un fourré de papyrus. Mais comment le sais-tu? Un jour, enfant, tu connaîtras ton vrai nom. Mais le temps n'est pas venu. Pour le moment, sache que l'Égypte et la fille de Pharaon ont besoin de toi. L'Égypte? Besoin de moi? Elle est bien bonne. Écoute, Où es-tu passé? Je ne peux t'en dire davantage, Papyrus. Nébou, la déesse resplendissante, le fera. Mais n'oublie pas, l'Égypte a besoin de toi. Eh bien, par Horus, l'Égypte vit des temps troublés. Ton règne a perdu la faveur des dieux, Pharaon Mérimée. Abdiquer pourrait les apaiser. Comment oses-tu acquérir, grand prêtre de Seth, ton dieu de destruction t'égare? Paix, grand vizir Nézimontou. Acquérir n'a pas tort. L'Égypte souffre. Et la perte de ma fille a ébranlé mes forces. Mais avant de prendre une décision, je veux entendre les conseils de Raoser. Raoser? Oui. Mais voilà des années que tu l'as banni. J'ai eu tort, Nézimontou. Aujourd'hui, la sagesse de Raoser me manque. Qu'on envoie partout des messagers et qu'on me ramène, Raoser. Il faut placer des hommes sûrs dans toutes les patrouilles, Semkat. Ce sera fait, tu peux compter sur moi. Que... Par Horus. Ah!
Nos autres génies de la forêt avons certains pouvoirs. Eh bien, sois remercié, génie de la forêt. Sans toi... Oh, ne me remercie pas si vite. Sais-tu que tu es dans la forêt interdite? La forêt interdite? Mais c'est le courant qui m'a poussé ici. Et je n'ai qu'un seul désir. Sortir de là et retourner dans mon village. Suis-moi. Sortir de la forêt interdite n'est pas si facile. Mais je vais te montrer un chemin. Comme tu le vois, les génies de la forêt adorent se distraire avec les visiteurs. Ils sont si rares. Allons, viens. Nous y sommes prêts. Bonne nouvelle. Entre nous, moi, je m'y serais perdu. Petit homme, te voilà au bout du voyage. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu es arrivé au temple de l'oubli et que selon la loi, quiconque pénètre dans la forêt interdite périra dans le temple de l'oubli. Encore une chance que je ne me sois pas brisé les os. Mais pour sortir de là... Mais c'est le royaume des morts ici. Inutile d'espérer faire la conversation. Cette lumière, qu'est-ce que... Par tous les dieux. C'est le sarcophage d'une reine ou d'une princesse? Sache que l'Égypte et la fille de Pharaon ont besoin de toi. C'est impossible. Par Horus, j'en aurai le cœur net. Tu es morte ou vivante? Où suis-je? Mais Parisis? Comment as-tu porté la main sur Téti, la fille de Pharaon? Tu es la fille de Pharaon? Et alors, la fille de Pharaon aurait peut-être préféré rester momifiée? Mais toi, qui es-tu? Papyrus, un simple pêcheur. Et maintenant, puis-je oser demander à la fille de Pharaon comment lui est arrivée cette aventure? Je ne sais pas bien. Mes souvenirs sont si flous, je me souviens d'un breuvage amer. Un regard. Puis il y a eu ces ombres autour de moi. J'ai été momifiée. Et puis... plus rien. Parisis! Si on s'est attaqué à moi, mon père est en danger. J'en suis sûre, je dois le prévenir. Inutile de me secouer comme un dattier, princesse. Écoute, Papyrus, tu n'es qu'un pauvre pêcheur. Si tu m'aides, mon père te récompensera. Il te couvrira d'or et d'honneur. Ta vie changera. Par Horus, ma vie me plaît comme elle est et je ne suis pas à vendre. Pardonne-moi, Papyrus, je ne voulais pas te blesser. Je t'en prie, aide-moi à sortir d'ici. Sortir d'ici? Mais c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Suis-moi. Nous y voilà, princesse. Il suffit simplement de grimper par là. Facile, non? Dis-moi, Papyrus, tous les jeunes pêcheurs sont-ils aussi effrontés que toi? Laisse-moi lire. Par la puissance de mon nom, à jamais vous serez enfermés dans le temple de l'oubli. Et ça? Ça? C'est le signe de Seth, le dieu de la destruction. Seth, maudit sois-tu.
Princesse? Princesse? Téti? 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 Princesse? Téti? Téti? Réponds, où es-tu? Qui est là? Qui est là? Ah, Papyrus, voilà que tu as peur de ton ombre. Oh, oh. Oh. Ah! Par tous les dieux! Je suis prise au piège! Géant de pierre, je te défie! Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une fille de Pharaon? Oh! Ah! Et ça recommence! Personne ne te connaît mieux que moi, Papyrus. Car je suis ta peur. La peur qui est en toi. Mais tu m'as vaincu. Tu as vaincu ta peur, Papyrus. Prends le glaive d'Horus. Il sera ta force au service de l'Égypte. Mais rappelle-toi, il sera toujours à la mesure de ton courage. Rappelle-toi bien, Papyrus. À la mesure de ton courage et de la droiture de ton cœur. Sommes-nous? Approche, Papyrus. Moi, Nebu la resplendissante, au nom de Mat, la déesse de la justice, je te souhaite la bienvenue. Téti, je rêve ou quoi? Mais non, tu ne rêves pas. Tu es ici pour apprendre la mission que t'a confiée Mat, la déesse de la justice. La mission? Écoute-moi, Papyrus. Il y a bien longtemps, très longtemps, Horus, le dieu faucon, et Seth, le dieu de la guerre et de la destruction, se disputèrent le trône d'Égypte. Un jour, enfin, le tribunal des dieux rendit son jugement. Horus régna sur l'Égypte, et Seth fut exilé dans le désert. Alors, vint le règne des pharaons, et les dynasties succédèrent aux dynasties. Tous les Égyptiens connaissent cette histoire, déesse. Ce que tu ignores, Papyrus, c'est que Seth a rompu le pacte des dieux. Par ruse, il a enfermé Horus dans un sarcophage magique, et il veut maintenant installer ses forces sur le trône d'Égypte. Un grand malheur menace l'Égypte, Papyrus. Et c'est pour empêcher ce malheur que tu as été choisi. Moi? Mais je ne suis qu'un... Un modeste pêcheur, oui. Nous le savons, Papyrus. Toi? Mais... Tu as conquis le glaive magique d'Horus. Tu t'es montré digne de ta mission, Papyrus. Désormais, tu défendras l'Égypte contre les forces maléfiques de Seth. Et un jour, tu trouveras la porte d'Ombos, le royaume secret de Seth. Et tu délivreras Horus. Mais d'abord, tu dois aller à Thèbes et sauver Pharaon.
Eh bien, ça commence plutôt mal. Un tombeau? Eh bien, je vais pouvoir m'y abriter pour la nuit. Son occupant n'y verra pas d'inconvénient, j'espère. Que fais-tu ici, seul au milieu du désert? Une patrouille? Vite! Il faut prévenir... Où as-tu volé ça? Hein? Ça? Mais je ne l'ai pas volé. Il m'a été donné par... Tu mens! Ce pectoral est un bijou royal! Tu es un pillard de temps, n'est-ce pas? Non, je vous en prie. Conduis-moi à Thèbes, je dois parler à Pharaon. À Pharaon? Ce vermisseau veut parler à Pharaon! Je ne suis pas un pilleur de tombes. Je te répète que je veux seulement... Bien visé, Nesfet. Je vais définitivement clouer le bec à cette vipère. C'est de la magie! Laissons-le, le désert se chargera de lui. Deux jours sans une goutte d'eau. Je n'en peux plus. C'est fini. Par Horus. Qu'est-ce que... Oh! Un de mes chevaux. Et un puits. Bon, maintenant écoute. Je vais te monter à la manière des nomades. À nous deux, nous allons vaincre le désert. Tu as raison, Selkat. C'est bien le pectoral de la fille de Pharaon. Je ne comprends pas. Tu es bien certain d'avoir exécuté tous mes ordres. Comment peux-tu en douter? Très bien, Selkat. Mais tu en réponds sur ta vie, ne l'oublie pas. Thèbes, enfin! Le palais de Pharaon? Tu viens sans doute pour la grande audience? Oui, voilà, c'est ça. Tu as de la chance, ce sera sans doute la dernière. On dit que Pharaon va abdiquer. Abdiquer? Il n'y a plus un instant à perdre. Eh bien, avance, quelle est ta requête à Pharaon, vie, force, santé? Ton souverain maître des deux terres. N'aie pas peur, avance et parle. Seigneur Pharaon, moi, Papyrus, au nom de Nebu, la déesse resplendissante, je viens t'annoncer cette nouvelle. La princesse Téti, ta fille, est vivante. Que dis-tu? Téti? Vivante? Mensonge! La princesse est morte et tu dois abdiquer pour amener la faveur des dieux sur l'Égypte. Tu as sans doute une preuve, mon enfant. Hélas, Seigneur, cette preuve, un garde de Pharaon me l'a volée. Oh, grotesque! Ne cherche pas à gagner du temps, Pharaon, cette comédie est indigne. Pharaon, tu oses m'accuser, Aker? Si j'ai tort, prouve-le, Mérénerai. Et par Set, le grand de force ordonne qu'on mette à mort cet imposteur. Seigneur Pharaon, je jure sur ma vie que la princesse... Assez! Qu'on l'emmène! Oh, Nebu! Aide-moi à convaincre Pharaon! La gorge me brûle! Voilà ma preuve, Pharaon! Et voilà mon voleur! Eh bien, Senkat, explique-toi. Je ne peux pas! Aker, lui, le pourrait! Krauser! Moi, Téti, fille de Pharaon, j'accuse Aker de complot contre moi et mon père, Mérénerai! C'est trop tard! Plus rien ne peut arrêter les forces de Set! Oh, maître Dombos, montre ta puissance! Thank you.
vaincu, Rauser. Ah, t'as vaincu. Oh, Rauser, me pardonneras-tu un jour l'injustice que j'ai commise envers toi? Tôt ou tard, Rauser, les forces du maître Dombos vaincront. Maudit sois-tu, Pharaon Mérénrel. Maudite, maudite soit l'Égypte. Que le frère trahisse le frère et le fils le père jusqu'au jour du triomphe de Rauser. La terre d'Égypte est si belle. Je ne peux croire à la malédiction d'Aker. Hélas, Téti, les forces du dieu Seth, le maître d'Ombos, sont immenses. Et tant qu'Horus restera en son pouvoir, de grands malheurs menacent l'Égypte. Mais... Papyrus ? Mais qu'est-ce que... Je suis venu te faire mes adieux, Téti. Ainsi qu'à toi, Rauser. Je retourne dans mon village. La vie de palais me pèse. Parisis ? Va-t'en, si telle est ta volonté. Eh bien, adieu. Papyrus ! Faudrait-il que la fille de Pharaon te supplie à genoux de rester auprès d'elle? Eh bien... Par tous les dieux, je n'ai jamais rencontré un garçon aussi orgueilleux. Tu ne peux pas te dérober à ton destin, Papyrus. Mat t'a choisi, toi, toi seul, pour trouver la porte d'Ombos. Et en délivrant Horus, rendre la paix à l'Égypte. Mais où chercher, Rauser? Le sais-tu? Cherche en toi, Papyrus. Et un jour, la porte d'Ombos s'ouvrira à toi. Et alors j'apprendrai mon vrai nom? Oui, enfant. Ce pectoral t'appartient désormais. Qui sait, je suis peut-être un fils de Pharaon, moi aussi. Ah, ça m'étonnerait, Parisis. Je prendrai ma revanche, Rauser. Oui, maître Dombos, bientôt tu redeviendras le maître de l'Égypte.